Il y a des ch'tis dans ce temple parce que c'est le nord, c'est ça? Tu vas plus vite choper les items qui te permettent d'aller plus vite. Ah, ok, ok. Ouais, c'est une bonne strat, oui. Ouais. Moi, ça m'avait jamais tant gêné que ça. Le voyage en mer sur Wind Waker. Comment tu joues à Wind Waker? Tu le télécharges? Wind Waker, je pense que ce sera sur émulateur. Je prendrai l'émulateur GameCube Dolphin parce que je le trouve très performant. Et il y a moyen de l'avoir aussi joli, voire plus joli que la version Wii U sur Dolphin. J'ai regardé les VOD de ce pas. Ah! Et ben, Swiki, si tu kiffes les Zelda. Là, on fait un marathon Zelda dans l'ordre de la timeline que j'ai appelé le Hyrule Odyssey. Et du coup, on a fait pour le moment dans l'ordre Skyward Sword, Minish Cap, Ocarina of Time, A Link to the Past, Oracle of Ages, Oracle of Seasons, Link's Awakening. Voilà. J'attends le remaster sur Switch. Je sais pas s'il arrivera, hein. J'ai pas pigé tout de suite pour les tornades, heureusement que j'ai eu un peu d'aide parce que c'est vite très long. Énormément de backtrack dans Wind Waker. Oui, par contre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Merci Laetitia pour la commande. Et les tornades, c'est pas forcément intuitif. J'avoue que c'est pas forcément intuitif que tu penses t'en servir comme moyen de transport, quoi. J'ai jamais compris comment ça marchait les émulateurs. Un jour je me renseignerai mieux pour avoir accès à d'anciens Zelda. Il y a un truc qui est pratique pour ça, Laetitia. C'est un logiciel et un site qui s'appelle ROM Station. ROM Station en français. Qui en fait te permet de télécharger des émulateurs directement via la plateforme. De télécharger des ROM des jeux, donc télécharger les jeux en fait. Et juste appuyer sur play et ça te lancera ton jeu. En gros. Après, si tu veux jouer à la manette, il faut quand même prendre le temps de paramétrer la manette en fonction des émulateurs et tout. Il y a des tutos ROM Station qui existent sur YouTube. C'est abordable. C'est par là que je passe. Moi, je trouve ça assez facile d'utilisation quand t'as pas l'habitude. Ça doit forcément être sur PC. Oui. Après, ça dépend aussi de ton budget. Parce que si tu prends le Online Plus de la Switch... Il y a quand même beaucoup de Zelda qui sont dispo sur les anciennes consoles, sur les émulateurs intégrés à la Switch. Typiquement, c'est comme ça que j'ai joué aux deux Oracle. Donc ça peut être une solution aussi si tu veux pas être sur PC. Il y a un coquillage par ici. Mais où? Je vais prendre le online, ouais, j'ai fini par craquer, j'ai trop envie... Mais il n'y a pas Wind Waker dessus. Non, par contre, il n'y a pas Wind Waker. Pour le moment. Mais si un... Ah, je le vois. Si jamais, à un moment donné, il y a un émulateur de GameCube, tu l'auras. Hein. Sur téléphone, tu as RetroArch, mais faut trouver les ROM. Ah ouais, mais du coup, tu joues sur téléphone. Putain, je sais pas si je kifferais de jouer sur téléphone. Surtout pour des jeux optimisés pour manette, console et tout ça... Je sais pas si j'arriverai à m'y faire. Je me souviens d'être déjà venu par là. Tu peux mettre une manette en Bluetooth. Ouais, mais du coup tu joues sur un écran de téléphone, c'est quand même pas fou. En termes de qualité d'image. Ouais, je préfère passer par un PC en tout cas. Oh sérieux? Oh, je suis déçu. Je pensais pas que ce trou me ramènerait ici. Il y a un coquillage ici, mais je pense qu'il est dans le trou. À moins qu'il soit sous l'eau et que je le vois pas. Mais j'ai pas l'impression. C'est relou ce passage. Bah un peu, ouais. Moi je teste tout. Comme d'habitude. Et le jeu ne m'a pas apprécié. Bon, du coup, je nage. Ah non, à la base... bon, maintenant, je suis beaucoup plus sur PC, mais je suis quand même un gros joueur console d'origine.
Avoir une manette dans les mains, je trouve ça toujours mieux. Bon, clavier souris, ça marche aussi, mais... genre, jouer sur téléphone, ça a jamais été vraiment plaisant pour moi. Et même, genre, sur un écran comme ça... Là, j'ai un écran 4K 16/9. Franchement, je préfère jouer à un Zelda là-dessus que là-dessus, même avec une manette, tu vois. Après, quand t'es dans les transports, je dis pas. Quand tu prends le train. Et encore, tu peux prendre ta Switch, tu vois. Si c'est pour du Zelda, tu peux prendre ta Switch. Mais quand t'es dans le train, en voyage, c'est cool. Ça, je veux bien l'admettre. Aucun problème avec ça. Mais bon. J'avoue que dans les transports, soit c'est moi qui conduis, soit quand je suis en train, je bosse. Donc c'est... C'est... J'ai pas trop... Je suis pas trop concerné. Mais ouais. Je savais pas qu'il y avait des émulateurs sur téléphone. En vrai, ROM Station, c'est vraiment hyper pratique. Tu vois, typiquement, Laetitia, c'est grâce à ROM Station qu'on a pu jouer à Superman 64, à Bubsy 3D... Enfin, grâce. Une façon de parler, hein. Non, Drake of the 99 Dragons, c'était sur Steam. Parce que c'était un jeu Xbox. Il y a pas mal de Zelda que j'ai fait sur émulateur, genre Ocarina of Time, je l'ai fait sur émulateur. Parce que je voulais la version... je voulais la version GameCube... Enfin, Nintendo 64. C'est un moyen d'avoir accès au jeu avec un budget limité. Oui, c'est vrai. Après, ROM Station, c'est gratos, hein. Techniquement. Je vais aller voir par là. C'est vraiment pratique quand même. Je testerai quand on aura la maison et qu'on installera nos PC. Ouais, tu peux. En vrai, par rapport à une époque, l'émulation est devenue vraiment... comment dire? À la portée de tout le monde, je dirais. Si t'as pas de PC, je veux dire... Ah bah, bien sûr. Si t'as pas de PC, mais c'est le même argument que si t'as pas de téléphone, tu vois. Si t'as pas de PC, effectivement, passer par un émulateur téléphone, c'est une solution. Tout à fait. J'avoue la chance d'avoir pu jouer à ces bangers. En vrai, je suis content d'avoir pu les tester. Quand même. Même si j'ai pas passé un bon moment, notamment sur Bubsy, je suis content de les avoir testés et terminés. De nos jours, les coqs n'ont plus la même combativité. Autrefois, j'avais un coq qui volait, et je parle sérieusement. Tu veux quoi? Tu veux un coq qui vole? D'ailleurs, pour la quête FedEx, j'ai un champignon. Hein. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas le champignon. Non, c'est le hameçon. Mamie Youpi me l'a donné. Il faut que je donne ce hameçon à quelqu'un. Est-ce qu'il y a un coquillage en creusant, peut-être? Superman mieux que Bubsy, dernier mot. Oui, clairement. Clairement, Superman beaucoup mieux que Bubsy. Enfin, beaucoup, c'est un bien grand mot, mais mieux que Bubsy, en tout cas, c'est sûr. Bubsy, il est vraiment atroce à jouer. Hein. Au moins, Superman, on s'est marré. Bubsy, beaucoup moins. Bon, c'est pas sous... c'est pas en creusant. Je vais pas encore assez loin. Pour le moment, Bubsy est vraiment le pire de tous ceux que j'ai testés dans les pires jeux. Et sans forcer. Hein. J'en étais sûr, Bubsy, il est injouable. Ouais, ouais, il est injouable de fou. Et je l'ai fini. Je ne sais pas comment j'ai fait pour battre le boss final. Je pense que c'est grâce à la musique du tryhard, principalement. Ok, y'a rien ici. Petit peu de la merde, cette zone. Spyro à côté, ça va être Baldur's Gate 3, clairement. Vraiment, pour le moment, Spyro, il est juste mou du cul. Mais amusant quand même, quoi, ça va. Enfin, je vous dirai ça demain, après avoir fait la deuxième session de Spyro. Est-ce que c'est ok ou pas? Le Spyro avec le tank, ouais, c'est ça.
Parce que les autres Spyro étaient juste trop bien, en fait. Mais lui, lui, il a pas plu, tu vois. Il est pas si nul. Je pense qu'il est pas si nul, mais qu'il est juste beaucoup moins bien réalisé que les trois premiers, quoi. Donc, fatalement, il déçoit. Il est tellement nul par rapport aux autres Spyro qu'il s'est fait descendre. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est parce que les éditeurs ont changé, en fait. Enfin, même les développeurs ont changé. À l'époque des trois premiers, c'était Insomniac qui était sur le projet. Et après, c'est passé dans les mains de je sais plus... Je sais plus si c'est Activision ou... En tout cas, ça a changé de proprio. On n'est pas avec toi, Spyro Tank, mais courage. je sais pas trop où je vais pour l'instant, hein. Je teste. Après, moi, ce qui me tue surtout dans ce Spyro, c'est les doublages, quoi. Les doublages sont vraiment ultra goldés, hein. Il devait y avoir moins d'inspiration. Oh putain, ça m'a plu. J'ai bien aimé. Re Aoko. C'est comme Dragon Ball Ultimate Tenkaichi. Pour moi, c'est top 10 pires jeux ever. Parce qu'avec ce qu'on a eu avant, c'est honteux de faire ce jeu. Bah je sais pas. J'ai pas la ref. Genre j'ai arrêté d'acheter des jeux DB après Tenkaichi 3, je pense. J'aimais bien, mais c'était quand même toujours le même jeu, quoi. Ah si, tu m'as eu, Swiki, je suis bon public. Très bon public. Meilleur public que scénariste. Oh, j'avais pas vu, OMG. J'ai failli passer à côté. Tant mieux. Bien content. Ce petit poc là. Je l'ai eu, c'est pas grave. J'ai galéré comme jamais là. Je sais pas pourquoi. Allez, viens là. Prends Dragon Ball, t'enlèves 80% des fights, et ce que tu peux faire, bah c'est gameplay pierre feuille ciseaux et QTE uniquement. Ah oui, c'est chiant. Je suis parti faire pipi, j'ai tout fait sauf faire pipi. T'as fait quoi, Oko? C'est intriguant ce que tu dis donc. Surtout avec un kappa, tu sais. J'ai tout fait sauf faire pipi. Ça fait un gigantesque caca, c'est ça? J'ai pas la clé pour ça, si? Serrure vautour. Oui, je me disais aussi. J'ai discuté avec une collègue, j'ai pris un yum dans le frigo et j'ai aidé une collègue. Ah, c'est gentil. Je suis une princesse, moi. Tu fais pas caca, Oko. Caca, Oko. Cette légende des princesses qui font pas caca, ça me fait rire. Ok, c'est pas par là donc. Il y a un endroit où je suis pas allé encore. Respecte-moi, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, princesse Aoko. Je voulais pas te froisser. Je suis une princesse, connard. Je me suis motivé à faire une petite marche en plein air avec le live dans les oreilles, c'est bien agréable. Oh! Eh ben, profite de ta balade, Laetitia. On est dans tes oreilles, on est bien. J'avoue, je sais pas si vous avez vu ma story sur Insta. En lançant live. Coucou, Merion. C'était vraiment... Oh, il fait super beau. Allez, lançons un stream. Bon, ça va, j'ai été dehors ce matin. J'ai profité un peu du soleil hein, en allant à la mairie faire mon passeport avec Sylvie, la relou. Mais bon.
Je vous laisse la team, amusez-vous bien et je mettrai les VOD. Et ben des bisous Swiki, merci encore d'être venu. Et c'est encore très très gentil ton retour sur Gensio, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. À bientôt j'espère. Je fais de la merde là. À bientôt. Ah oui, je suis con. C'est ça, j'étais en intérieur depuis ce matin à lire ou travailler. Je me suis motivé à sortir marcher un peu pour prendre l'air une petite heure. Si un jour, j'ai le bonheur d'avoir un setup IRL, je ferai des lives dans mon pull quand il fera beau. Des lives chatting. Je sais pas où aller là. Je suis un peu du père. Parce que j'ai fait toute la zone là et y a rien. C'est peut-être par là-bas, hein. On va aller fouiller là-bas, c'est une des rares zones que j'ai pas vues. Ce serait cool en vrai, hein. Faudrait que je me renseigne de comment on peut faire. Déjà, je vais essayer de me renseigner pour voir comment multi-stream sur YouTube aussi. Lac et le cul vissé sur la chaise au bureau, au boulot. Comment ça, lac? Courage pour le taf, Marion. Ah! Ah ah! D'ailleurs, alors, merci pour le soutien, mais j'ai passé les 300 abonnés sur YouTube cette semaine. Je suis heureux. Mais je sais pas si je peux stream sur YouTube avec la chaîne que j'ai. Merci. Streamlabs me propose de stream sur TikTok maintenant, j'ai trouvé ça bizarre. Alors tu peux stream sur TikTok, mais je crois qu'il faut 10 000 followers sur TikTok pour pouvoir stream. Comment je vais là-bas ? Est-ce que je peux seulement? Ça tombe bien, j'en ai zéro. Ah! Moi j'en ai. J'ai passé les 200 il y a pas très longtemps. Je vais aller voir là-bas, hein. Putain, cette zone là. C'est de la merde, hein. Parce que je suis allé voir le temple au sud, je pense qu'il faut aller au temple au nord. J'ai pas demandé à Pépé Ramolo. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Pépé de Ramolo, l'appareil. Il paraît que le pêcheur de l'étang va parfois pêcher sous un pont dans la baie de Martha. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que maintenant je peux nager. Je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça, mais avant, je vais quand même m'assurer que je loupe pas un truc par ici. Coquillage ? Les crustacés ? Au-dessus peut-être. Non. Non, c'est plus bas. Là-dedans. J'étais reviendu, mais c'est l'heure de la douche du chat. Oh là là, courage. Courage pour la douche du chat. Non, c'est dehors, hein. Je vais essayer de creuser, on va voir. J'ai pas l'impression que ce soit un move très concluant en général de creuser pour des coquillages. Mais c'est qu'il n'y a rien d'autre ici, donc je vois pas ce que ça peut être.
Peut-être qu'il y a un faux mur, il faut mettre une bombe. Là, visiblement, c'est pas ça quand même. Non. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il peut y avoir un trou dans le sol? Elle est mignonne. Bon, ça va alors. Je suis un peu circonspect, mesdames et messieurs. Bon, en tout cas, c'est pas par là pour aller au-dessus. Ouais, je sais pas. On va aller voir sous ce pont. Ce pêcheur là. Il faut aimer la musique du Zelda au hurdy-gurdy, ça loupe pas mal. Ouais, non mais ça va. On la kiffe. Elle est ok quand même. Non? Ils ont respecté le jeu de l'époque, hein, au moins. Alors, sous le pont de la baie de Martin. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir cette statue de sirène là. Pas sûr d'y être déjà allé. Quel est cet instrument du démon? Le hurdy-gurdy? Je sais pas. Où il est? Pourquoi ça sonne par ici? Est-ce qu'il faut buter lui? Peut-être. Ah ah, je suis entré sous le pont. Mais t'es le même pêcheur. Il va me pêcher moi? Je peux venir? Salut! Mais qu'est-ce que tu tiens dans la main? N'est-ce pas un hameçon? Ah! Charmant! Si tu me le donnes, je te ferai don de ma prochaine prise. D'accord. Ouvre les yeux et mate le pro. Je sens qu'il est énorme! C'est un collier. Génial. Est-ce que quelqu'un l'aurait perdu? Je me souviens pas de qui a perdu le collier. Est-ce que c'est la sirène qui se balade dans l'eau? C'est un genre de violon avec trois fois plus de cordes et tu joues pas avec un arc, mais avec une manivelle qui frotte sur les cordes. Putain, je l'ignorais. Trop bien. Mais c'est Mario. C'est pas lui qui ressemble le plus à Mario. Mais il lui ressemble un peu, c'est vrai. Alors attendez, je vais essayer d'avoir accès à la statue de la sirène. Et avoir accès aux auras qui contient peut-être un coquillage. Comment je peux l'avoir? À l'arc? Non, parce qu'il y a du dénivelé. Comment il est butable lui?
Probablement pas comme ça. Parce que ça me dit quand même qu'il y a un... Oh, attendez. Ça me dit quand même qu'il y a un... Un coquillage dans les environs. La sirène est pleurée. Par Sven Donavich. Tiens, il manque une écaille. Ah. Intéressant. Pour les variations du son sur les cordes, t'appuies sur des boutons. Putain, je serais curieux de voir un concert de ça. Ça m'électrocute ou pas? Non. Les vieux chuchus du cul, là. Là. Je pense que le collier est à la sirène, mais je me souviens plus. Par contre, j'ai aucune idée de comment tuer les auras. Ah, le voilà, c'est mon collier! Oui, elle va me donner une écaille, vous pariez? Je t'offrirai une de mes écailles. Marché conclu! Putain, je suis game designer. Attends, qu'est-ce que tu fais, Link? N'en prends qu'une seule! Une seule! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font sous l'eau? Link cancel, ouais. Bon, elle était d'accord, mais j'espère qu'il a pas abusé, quoi. Link, bizarre, hein. Arrête! Sur YouTube, il y a une musique sympa où tu vois le mec jouer. C'est Reverse Dance Hurdy Gurdy. Faudra que je cherche. Je check ça. Oh! Oh! Difficile de résister au charme du B. Qu'est-ce qui s'est passé? Du BG Link et encore plus le charme de celui qui le contrôle. Arrête, Hiroaki, arrête! Qu'est-ce que tu dis? Ça va encore partir en cacahuète cette histoire. Hier c'était déjà bizarre dans le chat de Rourou. Aoko a été choqué ad vitam aeternam. C'est juste que t'es giga BG. Je sais! C'est gentil! Mais t'es pas objectif déjà? Ok, ils sont tous morts. Oh. C'est une loupe? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette loupe? Elle vous montrera ce que vous ne pouviez pas voir auparavant. Ah ouais. C'est un peu comme l'œil. Mais il est équipé. C'est un passif. C'est un peu comme l'œil. Comment dire? Le monocle de vérité de Ocarina of Time, en fait. C'est les origines du monocle de vérité. Ah oui. Je les vois maintenant. Du coup, je vais peut-être voir des coquillages que je voyais pas avant. Épinglable. Arrêtez. Arrêtez, ça va. Pas plus qu'un autre. Hein.
J'ai bien envie d'essayer de le buter lui, mais je sais pas trop comment. Ça lui a bonqué dessus. Non, ça, ça va pas marcher. Je pense que je vais lui dire, il va enfin finir par y croire vraiment. Ouais. Ça compte pas, j'ai pas réussi. Non, ça marche pas. Hein. Je sais pas trop comment je peux faire. Parce que je suis plus au queue en fait. Je m'habituerai pas. Hein. C'est subjectif, vous savez. Es-tu allé au temple du masque? Ce sont des ruines fascinantes situées au nord du village des animaux. Mais comment ça? D'ailleurs, je vais aller Ouais, mais j'y suis allé, à ce temple-là. Non? Même avec la goumette. Si, la goumette, elle fait plaisir, la goumette. Mais elle veut pas dire que je suis... ultra BG, ça reste subjectif. On est tous le moche de quelqu'un, vous savez. Ou le beau de quelqu'un. Pour être plus positif. Ça grimpe. Moi, je suis le moche de tout le monde. Arrête! Oh! Mais enfin, monsieur Matsu, c'est faux! C'est faux. Arrêtez ça. Mais sinon, ça, c'est un temple? Je me pose des questions. Je sais que t'as précisé, je sais, je sais. Je sais, Waki. Mais maintenant que j'ai la loupe. Non. Rien de nouveau pour le moment. On va faire une petite descente en radeau, déjà parce que j'aime bien, et surtout parce que ça va m'emmener là où je veux aller. Je voulais pas faire la collecte d'objets, c'est con. Je voulais faire le contre-la-montre, tant pis. On va aller vite quand même. J'adore ramer, ouais. Ramer, c'est ma grande passion. C'est ce que je fais le mieux. Allez, monte! Tout ça pour ça. Ok. Et... Ouais. Pédaleur de semoule pro. C'est ça. Ah oui, mais j'ai la clé pour aller là-bas, c'est vrai. C'est vrai que j'y suis pas allé encore. Comment je peux y aller? En passant par les deux statues, là.
Oui, c'est complètement ça qu'il faut que je fasse en fait. Parce que la clé masque, je l'ai. Barre-toi, putain! Dresseur de Ramolos. Les pauvres Ramolos. Qui se font couper la queue par la Team Rocket. Et oui, maintenant je peux y aller car je sais grappiner. Avant, je ne pouvais point. Maintenant, je puis. Voilà, je me suis retrouvé, tout va bien. Everything is alright. Donjons et dragons. Le temple du masque. D'accord. C'est fort la technologie, ouais. Oh non, pas vous! Oh, je vous hais, vous. Quel que soit le jeu qu'on a fait, ils sont toujours chiants, eux. Je les ai touchés ou pas à un moment, là? Mais ils vont super vite! Ok, j'ai compris. Je leur fais aucun dégât comme ça. À la flèche donc. Le jour où j'arriverai à viser. Putain, t'abuses! J'ai usé mon carquois entier dans ce combat. Cinquante balles. Ouais. Bonjour. Joliment. Il va me falloir une bombe ici. Ok. Mais avant... Ah, je peux pas emmener le seau. Enfin, le pot. Enfin, le machin. Un peu sad la musique, non? Quoi à faire ici? Faut juste buter tout le monde? C'est ça. Un escalier qui descend dans les profondeurs obscures. Oula! Ça se tue pas. Des trucs bizarres dans ce sous-sol. Ah! Évidemment. Vous pouvez pas le dire plus tôt. Je vais aller voir par là d'abord. Bah non, du coup. Par ici.
Il me faut un pot pour ouvrir cette porte. Hein. J'ai pas le choix. Par contre, si je suis là... Si je suis dessus... Et que je fais une diag... Ah ah! Ouais. Ouais, je suis bien baisé du coup. Merde alors. J'ai réussi à pas l'avoir alors qu'il était immobilisé quand même. Le speedrunner, je reconnais. Bah ouais! Mais j'aurais pas dû du coup, je suis baisé maintenant. Ok, je suis pas baisé. La carte. Est-ce qu'il est massif ce donjon? Un peu. Un poil, un poil. Oh, vous dégoûtez, vous. Je suis pas fan de la musique, elle me met pas dans un bon mood. C'est la boussole, ça. Ouais. Je sens que ça va être compliqué avec, avec ces histoires d'interrupteurs bleu et orange, là. Un peu partout. Y a des pièces d'échecs au sol. Le temple, il a un background triste. J'en ai aucune idée. D'accord. Je sais pas. Peut-être. Hein. Comment ça? Mais enfin... Faut vous calmer, hein. Ça se grappine pas, ça. J'ai une clé. Déjà ça de gagner. Je suis censé avoir un truc ici. Mais comment je fais pour amener des pots là où il n'y en a pas? C'est peut-être un rapport avec l'item du donjon, cela dit. Par contre, j'espère qu'on peut tuer les mecs verts avec autre chose que des flèches, parce que j'en ai plus des masses. Le bec de pierre, on connaît bien. Ouais, mais... Je suis bloqué ou c'est moi? Je vais peut-être lancer des bombes de l'autre côté. Ah oui, je peux. Ok, bon.
où aller? Il faut que je rappuie dessus. Coucou Matt, comment ça va? C'est la pêche. Ah, à l'aide. Tout, 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 tout. Aïe. Hop là. Parfait. C'est relou ça. Hein. Allez, c'est abusé. Qu'est-ce que c'est chiant. Mais le timing qu'il faut. Ils sont si rapides. Merci. Je rentre d'une session course. Ça s'est bien passé, j'espère. Super bracelet, vous pourriez même soulever un éléphant. C'est donc ça. Cool. Oh oui. 23523 bombes plus tard, c'est tellement ça. Mais maintenant j'ai des gros mucles. Ça a été rapide, bah tant mieux. T'es pas tombé sur trop de bolos. Les gens qui font les courses, ça me rend fou moi. Je vais essayer d'aller choper lui. Maintenant que j'ai le bracelet de force, je peux peut-être faire quelque chose. Et oui, soulever l'éléphant qui est juste à côté. Et oui, mon gars. Je soulève des statues, moi. 100 balles. Oui, il ajoute des commandes. La commande à Oko. Merci Matt pour l'hydratation. Il va bien, Will. Et pour l'étirement. Non, pourquoi? Pourquoi il remonte le chat aussi loin? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il t'aime bien, probablement. T'es bien vu, toi. Je vais essayer d'aller là-haut. Voir si je peux. Gougou. Je vais finir par agresser mes responsables. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Ne t'abaisse pas à leur niveau. Oui, like nous. Même si c'est des gros cons. On va faire autrement. Ils sont idiots, mais à un point c'est abyssal. Ah ça c'est pas étonnant ça. On commence à le savoir hein. Je suis pas seulement une princesse, je suis la star du chat aujourd'hui. Ouais, j'ai besoin de me lancer des fleurs. Fais-toi plaisir, Aoko. Tu as le droit, tu as le droit. Tu es la meilleure. Des bisous, Missy. Merci beaucoup d'être venu. Passe une bonne fin d'après-midi. J'aurais peut-être dû lancer les éléphants sur la porte, en vérité. Et oui, ça marche.
Tiens, mais c'est Will. Oui, c'est lui. Parce que c'est pas le bon. Sans balles. Mais c'est quoi ce délire? Je comprends rien. Ça marche que de moi à moi. T'as déjà joué aux échecs? Ah ouais, pas con. J'avais pas compris. Il se dépose en quinconce. Mais... mais là, je l'ai fait comme il faut. Non, je suis trop... c'est trois cases et une case? Je suis peut-être juste con. My bad. J'avais pas tilté que c'était ça. Il m'avait tellement saoulé ces trucs. Bah, quand t'as compris le truc, c'est ok, mais j'avoue, c'est pas très intuitif. En fait, c'est 2 et 1, mais tu le jettes sur deux cases. Ah. C'est donc comme ça qu'on arrive ici. Via le donjon. Étrange. Étrange, étrange. C'était Maud, putain. Incroyable. Bon, ok. C'eût été fait dans les règles de l'art. Barrons-nous. Désolé si ça pouvait être interprété comme du Brexit, d'ailleurs, c'était une vraie question. Non, t'inquiète, t'inquiète. Oui, je sais jouer, je suis très mauvais, mais je sais jouer. J'y retourne, je suis pas sorti avant au moins 19h. OMG, tiens. Crame-les tous. Courage, Will. Envoyez de la force à Will, s'il vous plaît. Pour éviter qu'il crame ses responsables. Fais du télétravail la prochaine fois, le gars. Comme si c'était facile. J'envoie des couteaux. ouais. C'est un peu relou, cette histoire de bleu-orange, là. Oh, mais barrez-vous, vous. Mais attends, il m'emmène où déjà l'escalier qui est là? Je peux le savoir ou pas? Non. Hein. J'ai un peu l'impression de tourner en rond pour le moment. Et maintenant que j'ai un nouveau pouvoir, j'ai envie de tout revisiter. Je peux soulever des éléphants. Oh, j'avais oublié. Bon, de toute façon, ça me ramène pas là où je pensais. Donc c'est pas grave.
Ok, bon. On va partir au début du donjon parce que je pense qu'on peut aller de l'autre côté maintenant. Ah non, hein. Bon, après, j'y suis pas allé du tout, donc si ça se trouve, depuis le début, on peut. Ça, c'est mes moments préférés, ça. C'est mes ennemis préférés. C'est juste long et chiant. Je suis vraiment con. Merci, Roaki. Dis donc, qu'est-ce qu'on se fait comme compliment aujourd'hui, hein ? Allez, la doublette ! Je suis con de toute façon. C'est en train de me rendre fou ces mobs là. Mais comment ça, ça les a pas eu? Oh là là! Allez! Ok, très bien, ça me gonfle. Ça leur passe au travers, ça me rend dingue! C'est les pires ennemis, hein. La vache! Il y en a encore? Non, ça va. Pour avancer, il te faudra monter sur le sol aux cristaux qui barrent le chemin. Monter sur le sol aux cristaux. Qu'est-ce à dire que ceci ? Mais oui, c'est clair. Une petite clé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a un coffre pas loin, c'est ça? Mais cette petite clé ne va pas me servir dans l'immédiat. Je peux aller là? Peut-être, en fait. Peut-être que je suis bête. Peut-être que je l'avais tout simplement pas vu. Tu di 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 dou di di dou. Ah, c'est un boss. Une Raymanta. Bon, c'est bon, j'ai la strat, je pense. Bon, va falloir que je sois moins nul à chier par contre. J'ai gagné. Il fait blup blup. Oh oui. Viens là. Merci Matt.
Comment ça, il n'y a pas de case là? Ça m'emmène dehors? Ok? Pourquoi est-ce? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me l'envoies en arrière? Pourquoi il parle comme ça? Ok. Ouais. Allez, venez les cons. Prévisible. Ouais, j'ai pas besoin d'aller là-bas, ça me ramène au début. Ouais. Je suis un ninja. Un ninja nul. Un ninja nul. Un nulja. Un nulja. Pas vous. Ok. Quel enfer. Ça c'est la salle du boss. Haha. Mais je n'ai pas encore la clé du boss. Où est-ce que je ne suis pas allé? Ici. Et tout là, là. Très bien. Cool. J'avais oublié que je pouvais grappiner. Ouais. Faudrait que je tape sur un carreau, un truc bleu à un moment donné. Pour changer la position des... des interrupteurs. Ah! Les petits chevaux. Quoi? Je suis full sous, hein. Ça va super, Aoko. Ça va super. C'est mon cerveau en ébullition. Oh, ils sont mignons. Aïe. Ok. C'est pas le donjon le plus intuitif de France, c'est pour ça aussi. Oh, le pauvre, il est resté bloqué dessus. Très bien. Ah oui, du coup, j'arrive là. Ok, j'ai bien fait de continuer, en fait. Un peu bête, je vais aller au nord.
enfin. Ils sont mignons les lapins, mais ils sont un peu relous quand même. Ils me font du mal et tout. Moi j'aime bien les lapins quand ils sont gentils avec moi et qu'ils me défoncent pas la gueule. Je prends toujours le mauvais côté, c'est fou hein. Oh wow, 300 balles. Oui. J'adore l'argent. Comment ça? Les impôts. Les gros impôts, oui. Mais comment je peux les esquiver? J'ai juste pas possibilité, en fait. En leur sautant par-dessus. En leur sautant par-dessus, tout simplement. Tout simplement. Oh non, pas eux. Ils sont hyper longs à battre. Il leur faut 3 bombes chacun, quoi. Quoi? Mais il est malade, lui. Il a fait un demi-tour. Un demi-tour. Ok, donc j'arrive là, ce qui veut dire que je peux grappiner pour aller en face et chercher l'autre coffre. On y est presque, on y est presque. Doudi-doudi. Le coffre entouré de peau s'ouvrira quand il subira un choc. D'accord. Oh. Backflip des testiboules gobeuses. C'est un peu ça, ouais. Les testiboules gobeuses, c'est le bon nom. C'était moche, hein. J'ai donc la clé du boss. Il me reste plus qu'un coffre à choper. C'est lui. Ah non, hein, c'est bon. J'ai ma dose. Allez, viens. Allez. Du baume secret. Vous en êtes passé une couche. Ah, c'est le truc qui me permet de raise. Si vous ne le saviez pas, dans le cas de mon boulot, je fais tester de la nourriture pour animaux, aux animaux concernés. Et les maîtres peuvent nous mettre un petit commentaire. J'en apprends tellement sur le transit de leur chien, c'est fascinant. Oh, mais tu veux pas nous lire des coms, Aoko? Enfin, nous réécrire des coms? Je serais trop curieux de savoir ce qu'ils disent. Ce matin, un bon caca bien clair et bien parsemé. Le traitement fait effet, il a arrêté de chier mou. Nous sommes satisfaits de la texture de la crotte. Qui nous permet ainsi de se rassurer sur l'état de santé de Fido. Le traitement aux herbes ne fait pas l'effet escompté et rend les selles de l'animal beaucoup plus liquides qu'il n'y paraît.
Est-ce normal que mon cheval chie de la bouse de vache? Ayant les intestins fragiles, mon chat n'arrive pas à supporter ses dernières croquettes. Que pouvons-nous faire? Il a aimé, mais ses selles sont fluides. Quel enfer. Ses selles sont fluides, c'est la pire phrase.